C'est à une faible pluviométrie qu'on doit la découverte de cet engin, une bombe britannique pesant près de 2 tonnes et datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle reposait depuis au fond du Rhin à Koblenz, dans l'ouest de l'Allemagne. Son désamorçage, ainsi que celui d'une autre bombe de 125 kg découverte à proximité, se sont déroulés ce dimanche, tout s'est bien passé. Les opérations ont cependant nécessité l'évacuation de 45 000 personnes, c'est près de la moitié de la population de Koblenz. 7 maisons de retraite, 2 hôpitaux et une prison ont également été évacuées et le trafic ferroviaire et routier interrompu par précaution. Un troisième engin, une bombe fumigène, a également été identifié. Ces vestiges des campagnes de bombardement contre l'Allemagne nazie n'ont pas fini de refaire surface. Les autorités évaluent à environ 3 000 le nombre de bombes dans le sous-sol berlinois.